Non mais c'est quoi ce délire? Ben écoutez, ça me laisse 30 ans pour y réfléchir. Je préfère mourir jeune et en bonne santé que pauvre et très malade. On vous a utilisé et ensuite jeté. Comme on utiliserait et jetterait un mouchoir en papier. Ça me gêne. Oui, plusieurs fois par jour, je pense que c'est plutôt pas mauvais pour la santé. Enfin, quelle question. Oui, aussi souvent qu'à la politique. Tu expliques pendant que tu essaies de dire quelque chose, mais avant que tu aies le temps de dire quelque chose, tu lèves ton couteau et tu te tues. Ah oui, absolument. Une fois par an. Ça va pas, non? Non, mais des lézards, oui, quand j'étais petit. Je suis libre de disposer de ma personne et de mon hamster. Ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Il arrêtait pas de faire un petit bruit. Un truc avec la strangulation peut-être, enfin ou le fait qu'on puisse, oui, le fait qu'on puisse tuer des gens qui sont inférieurs à nous et les étrangler parce qu'ils sont inférieurs à nous, c'est peut-être ça. Non, non, j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que ben mes parents n'avaient pas les moyens, alors j'ai pas appris la musique. La corde? Pourquoi pas le couteau? Oui, je sais ce que c'est. Mais je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer. Vous avez qu'à vous raconter que je suis pas vraiment en train de vous parler. Oh mon Dieu. C'est ce qui se passera dans 30 ans. Tu allais voir cette pièce il y a 30 ans, et le moment est venu de mourir. Tu meurs. Tu meurs.